Nous vous souhaitons une bonne écoute. Le ministère de l'amour. C'est ici le thème de notre méditation du jour. Le ministère de l'amour. Notre verset est tiré de Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Je lis. Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi, car tu as quitté ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et fais les premières œuvres. Sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place. Réfléchissez à cela, même après que le Seigneur ait loué l'église d'Éphèse pour tout leur travail, il avait quelque chose contre eux. Il avait quitté leur premier amour. Quel était le premier amour? De toute évidence, il s'agit de leur amour et de leur passion pour Jésus-Christ, démontré par leur amour pour les frères. L'église éphésienne était une église qui était connue pour son amour du Seigneur et des frères. Dans l'épître que Paul a adressé dès le premier verset, il s'est adressé à eux en tant que fidèles en Jésus-Christ. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Dans le 15e verset, il a noté leur amour pour tous les saints. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Éphésiens chapitre 1, verset 15. C'est le premier amour qu'il leur a demandé de laisser dans Apocalypse chapitre 2, verset 4. Jean 4, 20 dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu? Pour aimer Jésus, vous devez l'exprimer en aimant le peuple de Dieu. En aimant les frères, vous montrez que vous aimez le Christ. 1 Timothée 5, 8 dit, mais si quelqu'un ne pourvoit pas aux besoins des siens et surtout de ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Paul écrivait sur le peuple de Dieu et comment leur expression de l'évangile de Jésus-Christ devrait être dans leur relation avec les autres. Jésus a dit à l'église éphésienne de faire les premières œuvres, aimer le Christ au point de l'exprimer en aimant les autres. Ainsi, l'amour de Dieu dont vous faites preuve dans l'action envers ceux que vous pouvez voir est si important. Vous souvenez-vous de ceux qui travaillent ou qui travaillent avec vous? Leur condition de vie vous affecte-t-elle ou avez-vous le cœur dur à leur égard? Vous souvenez-vous de vos collègues ministres et des églises voisines qui ont traversé des moments difficiles? Ce sont des choses qui doivent être au premier plan de vos préoccupations.
Si vous n'avez pas été gouverné par l'amour, si vos actions n'ont pas été motivées par l'amour, tout comme Jésus a dit à l'église éphésienne de se repentir, vous devez vous repentir aussi. Il a dit que s'il ne se repentait pas, il enlèverait l'église de sa place. C'est ce qu'il voulait dire en retirant le chandelier de sa place. L'église ne serait plus là. Cela montre la pertinence de l'église réside dans son ministère d'amour. Marcher dans l'amour n'a pas d'alternative. Décidez-vous et entraînez-vous à marcher dans l'amour. Ne vous endurcissez pas contre vos frères, vos sœurs ou même des étrangers. Laissez votre cœur s'adoucir et s'agiter facilement pour les aider. Confessons ensemble. L'amour nature de Dieu dans mon esprit me fait rayonner et exprimer l'amour à tous. Je suis plein d'amour. J'affiche sincèrement la bonté et la grâce et je parle et crois le meilleur des autres au nom de Jésus. Amen. Étude supplémentaire au dévotionnel. 1 Jean 4, 18. Luc chapitre 23, versets 33 à 34. Nous espérons que vous avez été bénis par cette dévotion. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par l'intermédiaire de lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né à nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur la façon dont vous pouvez vous développer en tant que chrétien, veuillez prendre contact avec nous par le biais des numéros dans la barre de description. Et pour vous qui aimeriez aller plus en profondeur en demeurant dans la parole, nous vous proposons un planning pour étudier la Bible que vous pouvez découvrir aussi dans la barre de description. Infiniment, merci pour votre attention. Et assurément, vous deviendrez un sujet de dépression pour l'enfer et un sujet de gloire dans la main de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.